Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Dans le prochain épisode de L'Amour est dans le Pré, diffusé le 16 septembre 2024 sur M6, les téléspectateurs découvriront l'arrivée de Muriel, la prétendante de Pascal. Mais ce qui devait être le début d'une belle romance pourrait bien tourner au vinaigre. Pascal, qui s'attendait à rencontrer une femme douce et bienveillante, va rapidement déchanter en découvrant le caractère exigeant et autoritaire de Muriel. Si vous êtes prêt pour quelques spoilers, vous découvrirez pourquoi cette rencontre promet d'être mouvementée. Pascal, sobre depuis 5 ans, n'a reçu que 2 lettres après la diffusion de son portrait dans L'Amour et dans le Pré. Parmi les prétendantes, il a choisi d'inviter Muriel, une retraitée de 62 ans, divorcée depuis 10 ans. Son choix était basé sur l'apparente douceur de Muriel, mais à son arrivée à la ferme, elle dévoile rapidement une autre facette. Muriel se montre extrêmement critique envers la maison de Pascal, s'imaginant déjà tout changer. À peine arrivée, Muriel commence à faire une liste interminable de ce qu'elle n'aime pas. Le canapé est trop grand et vert, les fenêtres auraient besoin d'un nouveau cadre, et même les orchidées sont jugées insuffisantes. Pas un coin de la maison n'échappe à son regard critique. Pascal, visiblement agacé, fait face à une Muriel qui semble avoir pris les rênes dès le premier jour. Mais ce n'est pas tout, lors du repas, la prétendante se révèle également très difficile sur la nourriture. Souffrant d'une rectocolite hémorragique, Muriel impose des restrictions alimentaires strictes, refusant les haricots verts que Pascal lui propose. Cette accumulation de critiques et d'exigences commence à peser sur Pascal, qui finit par exprimer son exaspération, elle fait des réflexions qui me gênent. Elle est un peu commandante et difficile, ça ne va pas être évident. Entre les critiques incessantes et les exigences alimentaires, Pascal se demande si cette relation a réellement un avenir. Muriel semble être l'une des prétendantes qui risque de diviser le public, tout comme Justine la saison dernière. Ce début chaotique entre Pascal et Muriel laisse présager une aventure mouvementée et peut-être une fin prématurée.